on vous a rien filmé, mais c'était une petite randonnée le long du Rio Tinto, dans la province de Huelva, où il y a eu des mines d'or, de fer, d'argent et plein d'autres minéraux, comme vous pouvez voir la couleur de la rivière. Allez, mieux pas tomber, hein, parce que si tu tombes, le Rio Tinto il te bouffe la peau. Nous sommes à El Rocio, tout près du parc de Donana. Et la particularité de ce village, c'est que les rues sont au sable. Je sais pas comment on peut dire ça. Oui, c'est du sable. C'est dingue. J'ai l'impression d'être au Far West. C'est ça. La particularité de ce village, mis à part que les chemins sont constitués de sable et de terre, c'est qu'il y a le pèlerinage à la Ponte Grotte, la Romeria del Rocio. C'est ça? Oui, je pense. Je ne sais rien. Enfin, la Romeria del Rocio. 1 million de fidèles viennent en pèlerinage dans ce petit village. On a bien fait de venir maintenant. Et on va aller voir la Blanche Colombe. Hola! Hello! Comment ça va? Bon, si vous voulez savoir où nous sommes, tout est écrit derrière. Deputación Huelva, Foro Iberico-Americano, j'ai dit juste? Ouais. Ibero-Americano. Alors, Foro Ibero-Americano. Ah! Ah! Ouh! Parce qu'on avait trouvé, pour tout vous dire, bon, ce matin, on était réveillés par des jeunes, un dimanche matin. Quand je disais qu'il fallait faire attention les week-ends où on stationnait, ben là, on pouvait être véritablement sûr, parce qu'on était au parc de Nana, c'est un parc à côté d'un parc naturel. Et ben, à 7h ce matin, boum, c'était la disco. Ça, hein? L'after, quoi. Ouais, et puis après la bastion, puis après de la cave. Ouais, enfin, nous, nous sommes bien sortis, on n'a rien eu. Voilà. Mais nous sommes partis fissa. Nous sommes ici à Los Palos de la Frontera. Là aussi, hein, ça veut tout dire. Nous sommes tout près de la frontière portugaise. On va bientôt pouvoir manger. Vous, j'ai du pastéis de lata. Mmh. Et là, on va vous montrer ça. Un peu d'histoire aujourd'hui. L'histoire de la fin du 15e siècle. C'est Washington Irving que l'on a vu. Enfin non, on l'a pas vu. Parce qu'il est mort depuis. C'est un écrivain qui a notamment écrit une belle histoire sur Grenade. Il est venu des États-Unis et si j'ai bien compris, il a aussi écrit une biographie sur Christophe Colomb. Vous avez deviné ce que c'était? Nous sommes... Muelle de las Carabelas, le musée des caravelles qui ont traversé l'Atlantique pour aller, comme Christophe Colomb, découvrir les Indes. Oh, le petit chien qui pleure. Certains, ils ont des drôles de corps ou des drôles de tête, mm-hmm. ou les deux. Et là, t'as vu, il y a des grandes oreilles. Ouais. Non, c'est pas.
L'autre, il a un grand corps. L'autre, il a des grandes oreilles avec des dents bizarres. Donc derrière nous, à peu près derrière nous, les trois bateaux avec lesquels Christophe Colomb et les Pinson sont partis pour aller aux Indes, sont finalement arrivés à la première terre qu'ils ont touchée après une petite escale aux Canaries pour réparer aux Bahamas. Trois bateaux, la Pinta, qui était le bateau le plus rapide, la Santa Maria du Nao, le bateau amiral de Christophe Colomb, et la Niña, le plus petit bateau des trois. La Pinta, soit la Pinte, et la Niña, la petite, qui à l'origine s'appelait Santa Ana et Santa Clara. Ça tourne. C'est parti mon kiki, ça tourne. Clap. Le bateau du milieu, la Santa Maria, a coulé. Après un périple de 2 mois et demi dans la mer des Caraïbes, la Santa Maria, le bateau amiral de Christophe Colomb, a coulé au large d'Hispaniola. Et qu'est-ce que l'île d'Hispaniola? Eh bien, tout simplement, Haïti, à Noël 1492. Il repartira en Europe sur la Niña le 16 janvier 1493. Si nous retrouvons trois reproductions de ces bateaux à Las Palos de la Frontera, eh ben c'est tout simplement parce que c'est d'ici, j'ai bien dit, d'ici que Christophe Colomb est parti pour traverser l'Atlantique. Donc il partit d'ici le 3 août 1492 pour arriver aux Bahamas de la nuit du 11 au 12 octobre 1492. C'est précis tout ça. Je pensais pas que c'était bombé sur le bateau. Mmh. C'était plutôt plat. C'est grand tchèque, hein? C'est là où on fait. Nous sommes. Non. Je suis le maître du monde. C'est toi, minute, c'est moi. Mais c'est Cristoforo Colombo. Pour être amiral, il était bien logé. Hein. Ouais, bah, c'est la seule chose que j'ai fermé, quoi. T'as dit qu'il ressemblait à qui, Christophe Colomb? À Coluche. Ces vaisseaux ont été construits avec les outils d'époque. Enfin, les mêmes outils qu'à l'époque. Ouais, les mêmes outils qu'à l'époque. Oh, si quelqu'un peut m'expliquer quel jour nous sommes, ce sera avec plaisir. Bon, on est tout petit derrière cette colonne qui a été construite pour le 400e anniversaire de la découverte des Amériques, soit le 12 octobre 1892. Et mais c'est le quoi donc? C'est le Monestario Santa Maria de la Rábida. C'est écrit sur le panneau. C'est là où a dormi la dernière fois Christophe Colomb avant de partir. Ça? Non, c'est presque ça. Ah. C'est là où il était recueilli par les moines franciscains pour préparer son voyage. J'y étais presque. Ah ben c'est là où il a passé la dernière nuit avant de partir, ah, oui. Ouais, Et derrière nous, la fameuse cascade de fleurs.
Tu connais pas la cascade de fleurs? Non. Moi non plus. Non, mais c'est beau, hein? Ouais. Ça sent pas trop fort. Non. Voilà, viens là, ma petite fleur. Bah, c'était sympa à faire. Ouais, c'était sympa. Ouais. Ça, c'est au bord du Rio Tinto. Ben là, il est plus Tinto, hein, le Rio. Il est plus Tinto. This is the end. C'est la fin. J'espère que ce petit aperçu de la Muelle de las Carabelas vous aura plu. Nous, on a profité et passé un joli petit moment dans ce petit musée. Ouais, c'était sympa. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce. Si vous n'avez pas aimé, n'oubliez pas le pouce. La petite cloche. Des commentaires, mettez-nous des commentaires. Moi je m'ennuie, moi je sais pas quoi faire moi. Ouais, j'ai pas de commentaires, je peux pas répondre. Je recommence. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Le lien est dans la description. Vous pouvez voir qu'il y a un certain décalage entre les vidéos YouTube et Instagram et Facebook. Là, c'est le temps de faire le montage. Ben ouais. Et puis vous verrez certainement plus de choses sur Instagram et Facebook, notamment le Rio Tinto, le parquet en bois, le parquet de la Donana, etc., etc. Là, on vous dit bis spät, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.